ton Jukebox Country. On vient d'écouter évidemment une deuxième chanson de notre grand invité aujourd'hui, ta toune préférée qu'on vient d'écouter justement. Juste avant qu'on le rencontre, évidemment, super entrevue, présente-nous-le. Ben, tu sais quoi, Martin? C'est vraiment ma toune préférée. Oui, c'est vrai, ça. Je pense qu'il l'a écrit pour moi, je l'ai mis. Et voilà. Écoute, j'ai des frissons juste à l'introduire, les amis, puis pars-moi ça, la foule au coton. Francis de Grandpré, les amis! Yeah! Told you box country! Salut, mon Frank! Here we go! Salut, les boys! Comment tu vas, mon ami? Ça va bien, vous autres? Ben oui, on est top shape. Je viens de faire à peu près 140 push-ups pour faire le gun show. Fait que j'espère que t'es prête, toi aussi, là. On se met en forme. Je te montre comment ça marche. Attends une minute, laisse les vieux loups en premier. La belle grosse tombe. C'est à ton tour, mon Frank! Moi aussi, je me serais mis à manche courte, mais là, pas grave. On les voit pareil. Mais chante paix d'abord. Hein? Quand ça paraît au travers du chandail, camouflé en plus, là. Mais wow. C'est parce que je le vois souvent, il était à la pêche, man, il te sort des dorés d'à peu près. Je sais pas comment que ça mesure. Ben oui. Écoute, c'est mon mode de vie, ça, là. La chasse, ça. La pêche, j'adore ça. Fait que, ouais. Excellent. Bienvenue au club du Gun Show, donc, Francis de Grandpré. Merci beaucoup. Voilà, merci, parmi notre top 5 des gros bras du club. Oh, oui, c'est le fun. Mais je pense que jusqu'à date, il y a lui puis Jean-Crougeau qu'on avait à l'émission. Lui aussi, il a une bonne paire de bras. Ouais, c'est sûr que lui, il est dur à tasser. Et voilà. Mais il nous a dit quand Francis va venir à l'émission, ouais. Ça se peut que ça soit de la compétition. C'est vrai, ça, il nous avait dit ça. Hey, Francis, t'es de quelle région, mon ami? Là, je parle au nom des auditeurs, puis on va apprendre à te connaître. Mais moi, en fait, je viens de Berthierville. Ça fait, j'ai 31 ans. Ça fait 30 ans que je demeure à Berthierville et je crois que je vais y demeurer toute ma vie. Je suis bien ici. J'ai accès à un cours d'eau pour aller à la pêche. J'ai accès à des îles pour aller à la chasse. Puis je suis proche de Montréal aussi, tu sais. Fait que, écoute, c'est parfait. Québec, Montréal, hein, les grosses villes, c'est ça qui est. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pas trop loin à aller, un petit peu n'importe où. Donc, c'est parfait. Mais je voudrais pas casser ta promesse que tu viens de faire en ondes. Donc, tu sais, on est sur 36 belles radios à travers le monde. Puis ouais. Puis je pense qu'avec la carrière que tu as en ce moment, ça se peut qu'à un moment donné, on te ramasse peut-être à Nashville. C'est un bon point que tu apportes là. Je te cacherai pas que dans un avenir assez proche, j'aimerais ça peut-être me lancer en anglais. Donc, deuxième album là, qui sort en mai 2024, je me concentre 100% sur le franco. Mais je te cacherai pas que pour le troisième, il y a des bonnes chances qu'il y ait des tonnes anglo là-dedans. Donc, qui sait? Aye, ben, je te le souhaite, mon ami. Puis tu as le talent pour le faire, man. Ouais. La production est là. Les paroles sont là. Moi, souvent, je mélange l'anglicisme, le lyrics. Puis t'as la voix, Francis, man. Puis t'as le look, t'as tout, man, pour gagner. Fait que... Ben, c'est bien gentil. Puis le pire, c'est que, mettons, à la base, lorsque je me suis lancé dans cette carrière musicale-là, je me demandais justement, je me lançais en français ou en anglais, tu sais. Si je me suis longuement questionné, puis là, à un moment donné, j'ai fait, écoute, on est au Québec, on a une belle langue française, mais là, j'avais peur que ça devienne un petit peu quétaine, que j'utilise trop un langage soigné, tu sais. Donc, c'est ça. En fait, c'est mon slang à moi. C'est comme que je parle avec mes chums au travers de mes chansons. Donc, je pense qu'on a réussi là-dessus. Ben moi, je pense qu'avec ce thème de voix-là, puis la manière, ton slang, comme tu dis, c'est ça que moi, comme auditeur de ta musique, qui m'a accroché, justement parce que tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre, t'es toi-même. Effectivement, tu l'as bien dit, puis tu sais, je parle des choses que j'aime aussi, que j'aime faire. Donc encore là, je me répète, mais tu sais, c'est ça, je suis un gars de bois, de chasse, de pêche. Donc bien évidemment, j'en parle au travers de mes chansons. Donc c'est certain que les gens qui sont un peu comme moi dans la vie, ben c'est sûr qu'ils vont avoir une petite attirance vers ces genres de tunes-là, tu sais, c'est ça, ouais. Voilà. Je vais marquer quelque chose, Steven, tu sais, tu viens juste de lancer quelque chose en anglais, puis certainement tu as été influenceur auprès de Francis, là, il veut se lancer en anglais, ou quoi que ce soit, tu sais, t'es un grand fan de lui, pour moi, tu l'as influencé. Absolument, ben, je sais pas, je pense pas, mais écoute, c'est un gars que j'admire, que j'adore, voilà. Puis que j'espère un moment donné qu'on va pouvoir se croiser sur les planches en quelque part, faire un petit bout de chanson ensemble, j'aimerais bien ça. Parlant de gens qui influencent, qui a influencé le genre de musique que tu fais, Francis?
Très bonne question et très facile à répondre. Je le mentionne souvent, mais le chanteur Luke Combs. En 2017, bien honnêtement, la musique country n'était pas tant dans ma vie. Donc, c'était en 2017 lorsque j'ai découvert sa chanson « Beautiful Crazy ». Là, je suis complètement tombé en amour avec ce vibe-là. Puis là, j'ai commencé à en jouer. Puis je suis rentré en 2020, j'ai fait l'émission La Voix. Donc, j'étais comme identifié en tant que country boy. Et en plus, c'est tout à lui que je voulais faire là-bas, puis on n'a jamais eu les droits. Fait que c'était d'une tristesse totale. J'ai jamais pu faire du Luke Combs à La Voix. Mais c'est ça. Donc, je te dirais que c'est à cause de lui que j'ai commencé dans ce style de musique-là, puis même que aussi pour la création de mon premier album, c'est carrément son vibe. Je me suis énormément inspiré de ce que fait ce chanteur-là. Puis encore là, aujourd'hui, j'adore ce qu'il fait. Ben, il est écœurant, Luke Combs. Moi aussi, je l'écoute en rafale, puis tout. Tu sais, sur ma playlist, il y a Francis de Grand Prix, il y a Luke Combs tout de suite après, par exemple. Ben oui, après. Non, mais tu sais, c'est que, tu sais, il y a comme un grain de voix. On a un peu le même grain de voix, si je peux dire ça comme ça. T'sais. Absolument, absolument. Puis ben c'est ça. Puis tu sais, dans nos chansons, on parle un peu de la même chose aussi. Fait que tu sais, bien certainement, je m'inspire de ce que fait ce chanteur-là. Ben écoute, je suis sûr. Puis garde, check bien ce que je te lance là. Vas-y. Puis, écoutez les auditeurs. Là. Moi, je suis sûr d'avoir un moment donné Luke Combs Néjo au Québec. Puis en première partie, Francis ouais. de Grand Prix. Oui. Mais oui. Matt Lang, mon chum, Matt Lang, il l'a fait. Oui, mm-hmm. Mais on parle pas de Mathieu, là, on parle de toi. Non, je sais, mais je parle, tu sais. J'adore Matt aussi, mais... Matt, là aussi, dans le fond, ces choses, ça a tellement été vite. Tu sais, écoute, en dedans de comme 4-5 ans, là, à cette heure, il roule, Matt, c'est malade, puis je suis tellement... C'était un bon gars, puis tout. Pour lui, mais ben oui, c'est ça. Puis il y a un an et demi, ben en fait... pas tout à fait un an et demi, tu sais, écoute, il jouait avant Luke Combs, donc c'est juste incroyable. Donc oui, effectivement, c'est des choses que je pense, tu sais, des fois, c'est ça, je me projette dans l'avenir, puis je me dis, écoute, dans un an, deux ans, ça va être quoi, tu sais, parce que là, si on recule, il y a un an et demi, c'était mon premier show à vie, ok, j'avais jamais fait ça dans ma vie, la scène, je savais pas c'était quoi, puis là, écoute, alors qu'on se parle, j'en mange, tu sais. Puis, s'il y a un an et demi, tu m'avais dit, écoute, tu vas être en nomination deux fois à la 10, je t'aurais pas cru. T'sais? Ah, écoute, mais tu le mérites ça, tellement. En un an et demi, c'est malade. T'sais? Fait que oui, effectivement, un jour, je vais peut-être jouer avant Luke Combs. Vilé, voilà. Vilé au max, Francis, parce que tu le mérites, man. C'est écœurant ce que tu fais, je le répète, puis je le dis à Martin à tous les semaines, man. C'est pas d'hier qu'on te fait jouer à l'émission de Box Country. On t'a fait jouer toute l'année, man, parce que t'amènes le new country, t'amènes du party, t'amènes de la musique là, qui va te chercher par les tripes, man. C'est écœurant ce que tu fais. Puis je souligne à le dire, c'est peut-être fatigant, je lâche pas de le dire, mais c'est vrai. Ça fait des semaines qu'il fait le décompte, évidemment. Puis on avait hâte de te rencontrer en personne bientôt, espérons. Mais certainement, au Gala Country, Gala Country. C'est ça. Puis quelqu'un qui a hâte de te rencontrer, c'est notre co-animateur, Emmerick, qui a une question bien spéciale. Allons-y! La question qu'on se pose depuis toujours! Alors, vas-y, Emmerick. Merci, Martin. Ma question, Francis, c'est que je sais que tu es un grand pêcheur. C'est quoi le plus gros poisson que tu as jamais pêché dans ta vie? Oh, c'est une bonne question. C'est un esturgeon de 62 livres. Et c'est Monac! En pleine nuit, on voyait rien. On savait que c'était gros, mais on voyait rien que pantoute. Donc, ouais, écoute, il était 5 pieds de long, donc ça a fait une bonne photo. Là. Ouais. Wow. 62 livres, aïe aïe. Ouais, c'est ça. Ça prend un gun show. Gun show solide. C'est ça. Si t'avais pas eu des bras comme ça, on n'aurait pas cru, on aurait dit que c'était une histoire de pêcheur, mais ouais, avec ces bras-là, on te croit, mon Francis. Ah, mais on a des photos à l'appui. Fait que on bien s'en verra pas tantôt. Francis, parle-nous un petit peu, parce que le temps avance vite quand on a du fun, puis tout ça. Écoute, il nous reste à peu près 4 minutes à l'entrevue.
c'est tes prochains spectacles, aussi que les gens peuvent voir, sans nommer toutes les dates, parce que je le sais, moi aussi, je ne me rappelle pas si je vais jouer dans 3 semaines, des fois, là, sans regarder. Ouais. Ben, en fait, j'invite les gens à aller sur mon site internet fdegrandprix.com, donc toutes les dates sont là, puis écoute, ça fait 2 semaines qu'on est rentré en salle. Les festivals, c'est le fun, mais en salle, les gens sont là pour te voir, puis ça, c'est vraiment un beau vibe, j'adore ça. Donc, c'est ça, là, on joue jeudi au Club 10-30 à Brossard, vendredi au Moulinet à Terrebonne, puis il y en a plusieurs autres. Donc, fdegrandprix.com pour toutes les dates de spectacle. Puis sur tes Facebook, puis tout ça, tu dois partager. Ben oui, écoute, j'ai une page Facebook, juste à inscrire mon nom, ainsi que mon compte Instagram, juste à inscrire mon nom aussi. Toutes les informations sont là, j'invite les gens à grand nombre. Wow. Je pense, Martin, il y avait une belle question pour toi aussi. Définitivement, les gens, on vient d'écouter une nouveauté dernièrement, les gens en demandent toujours de plus en plus, certainement quand on vient te rencontrer en spectacle. Est-ce que tu as d'autres projets aussi, de nouvelles chansons qui s'en viennent dans la prochaine année, peut-être? Ben, j'en ai glissé un petit mot tantôt. Effectivement, en mai 2024, il y a un deuxième album qui va sortir. C'est vrai, oui. Pardon, oui. Ouais, puis là, dans le fond, depuis 2-3 semaines, j'ai un autre single qui est sorti. Donc, on parle de Lève ton verre, donc une grosse chanson explosive. Je me suis rendu compte que sur ce deuxième album-là, je me concentrerai plus sur le country rock parce que j'ai vécu ça en show. Puis c'est malade quand tu vois les gens qui ont les deux points dans les airs. C'est le fun des petites tunes de Lover. Il va y en avoir encore, mais une bonne tune country rock en festival, il n'y a rien de mieux. Donc, avec Lève ton verre, c'est directement ce qui se passe, en fait. Hey, moi, j'ai une deuxième question. La question qu'on se pose toujours, mais part 2. La question qu'on se pose depuis toujours. Francis, là, on parle souvent dans le country d'alcool, de whisky, puis de, tu sais, lève ton verre, puis ci, puis ça. T'es-tu un gars qui boit un petit peu ou tu fais attention? Sois honnête, là. Je bois pas mal souvent. Comme là, moi. Dernièrement, je me trouve très discipliné dans le sens où, là, on revient d'une semaine sur la côte nord de 4 shows en 4 soirs, et j'ai fait le test de ne pas boire à chaque soir. Puis écoute, j'avais tellement plus de voix, j'étais tellement plus en forme. Donc, je te dirais que lors de mes spectacles, j'essaie de rester discipliné, mais aussitôt que j'ai un off dans ma semaine, tassez-vous de là. Oh oui, sors la ligne à pêche, puis le 12. Here we go. Hey Francis, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mon cher ami. Puis je ne saurais jamais comment autant te remercier d'avoir participé à ton Jukebox Country. J'espère qu'on va pouvoir le faire en présentiel à un moment donné, à venir en studio, oui, puis faire toute l'émission de radio avec nous. Quand les artistes viennent ici, ils passent toute l'émission avec nous. On fait des sketchs plein de niaiseries comme ceux qui le savent, qui nous écoutent. Mais ça sera un honneur. Puis c'est rendez-vous garanti. On va être au Gala Country au mois de... 26 octobre, Club Soda, Montréal. Puis ça s'en vient vite, ça. Puis je pense aux auditeurs, il reste encore des billets puis pour aller voir Francis puis tout ça. Puis, oui. Effectivement. Ben écoute, Francis, tu disais que tu aimais lever ton verre des fois. Peut-être s'inspirer ta prochaine chanson. Voudrais-tu nous la présenter, s'il vous plaît? Ben oui, donc lève ton verre, une grosse chanson énergique que j'ai écrite en 2020. Donc, on dirait que j'étais pas prêt à la mettre sur le premier album, mais là, deuxième album, on rentre dedans. Donc, voici Lève ton verre. Ça va vous faire... En fait, ça va vous donner l'envie de prendre un petit verre en ce beau... Là, on est mercredi? On est mercredi. Ah, on est mardi! On est mardi comme on enseigne, qu'on en a juste. Oui. Et ça va commencer à jouer dès jeudi prochain. Donc, merci Francis de Grand Prix.